Super, merci, bonne soirée. Qui a commandé un burger? Tiens. Merci. Putain, j'avais dit pas de couvert dans la commande. En plus, ils ont même mis des pailles. Comme ça, de toute façon, dans un an, c'est illégal. Hein. Tu fais quoi, là? Je partage. Attends, je peux pas laisser passer ça. Faut appeler au boycott. Le plastique, c'est la première cause de pollution dans le monde. Alors moi, tant qu'il y a ces pailles de merde dans le menu, je commande plus qu'il n'y a ici. Hashtag planète poubelle. C'est ça, la réalité des conditions de vie et de mort, quoi. Mais même au-delà de la souffrance animale, l'industrie de la viande, c'est le mal. Tu produis du méthane à vue d'œil, et puis l'eau potable qui est nécessaire pour juste nourrir ces pauvres bêtes. Alors, tu veux bouffer du cadavre? Vas-y, mais t'es responsable du réchauffement climatique. Non mais faut arrêter avec le réchauffement climatique à toutes les sauces. Ça fait 10 ans qu'on nous alarme, qu'on nous dit que ça se dérègle. Si ça fait 10 ans qu'il y a urgence, c'est peut-être qu'il n'y a pas vraiment urgence. Tu sais qui est climato-sceptique? Donald Trump. Saloperie de moustique. Au mois de novembre, il n'y a plus de saison. Putain, il faut faire attention, hein. T'as acheté plein de trucs ultra emballés. Et alors? Et alors? Mais tu te rends compte du nombre de déchets qu'on produit tous les jours? À un moment donné, faut devenir responsable, hein. Penser global. Bah ouais, tu vois, par exemple, en ce moment, je fais le moins zéro déchet. Bah, c'est vraiment top, alors oui, ça me fait du bien. T'as raison, faudrait trop que je le fasse. Mais ouais, tente. Et acheter des produits non transformés. Attends, tu sais qu'il y a un site super pour ça? Je te le montre, il est vraiment top. Tu vas voir, ça donne plein de conseils pour réduire son empreinte carbone. T'as un nouveau téléphone? Ouais, je l'ai acheté hier. Enfin, laisse tomber, mais il avait 6 mois, il était trop vieux. Trop cool. T'as vu le hashtag déjà? Ouais. Et vas-y, prends la tête en photo. Faut qu'on participe au mouvement. Elle m'a pris la tête avec son truc de lardon. Du coup, bam! Où est le bec? En parlant de bec, t'as bouffé un cendrier ou quoi? Ouais. Mais j'ai la solution. Et t'es pas censé être végétarien, toi? Ah mais quel rapport? Pas d'animal là-dedans. Et tu crois qu'elle vient d'où, cette belle couleur rouge? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Mais trop cool, j'ai lancé un mouvement. Y'a déjà plein de followers sur le hashtag.